6 fils, 11 hameçons. Ça c'est prêt, ça c'est prêt. Le sac de couchage, on pourrait aussi le réparer. On pourrait aussi le réparer. On peut le réparer à la main. Je savais pas ça. Je ne savais pas. Est-ce qu'on va avoir assez pour le réparer? Voilà, très bien. Ouais, 99%, c'est très bien. On a la scie aussi qu'on pourrait réparer. La scie, on va peut-être la réparer par contre. Il y a plein de trucs qu'on répare et tout. On est tellement... Genre, on fait tellement attention. Ouais, c'est moins, ça prend moins de temps. Et les chances de réussite sont plus élevées. Et je crois que la truc prend 5% au lieu de 10%. Enfin, je... Non, quoi que peut-être peut-être que ça utilise autant de même pourcent. Mais c'est juste que voilà, c'est plus rapide. Enfin bref, vous avez compris. Et... Aïe aïe aïe, échec. Super. Et du coup, on sera prêt. Enfin, on va être prêt, nickel. Pas de problème. Et on va prendre beaucoup de nourriture, enfin tout ce qu'on a en gros. Et toute l'eau qu'on a aussi. 100%, très bien. Et on va... On va aller à la cabane du trappeur. Et on va se débrouiller. On va se débrouiller là-bas. On prend ça. On pourrait en prendre plus. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on en prend plus ou pas? On a 32. Ça faut aussi pr... Après, on peut prendre à peu près 40 kilos jusqu'à la cabane du trappeur. Et au fur et à mesure que le moment passe, enfin le temps d'arriver là-bas, le temps de dormir, tout ça, on va boire, manger, etc. Donc on aura moins de nourriture, donc voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On aura de moins en moins de choses à porter. Le bois, par exemple, pour le moment, on le garde. Mais après, ça va servir à rien, donc on va le jeter. On va complètement le jeter. On pourrait faire ça. Qu'est-ce que je voudrais prendre aussi? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? Qui pourrait être intéressant à prendre. Je pense qu'on va prendre des boyaux. Les boyaux, c'est pas lourd. Mais je pense qu'on va prendre des boyaux. Parce que, oui, avec les boyaux, ça permet de réparer, ça permet de... faire le fil, de faire l'arc. Je sais pas, j'hésite, Ces peaux-là, elles sont pas lourdes non plus. Après, il y a les peaux de loup, tout ça, on pourrait... On pourrait se faire un deuxième manteau. C'est combien un manteau? Combien de temps? Au pot de loup, ça serait 32 heures le plus rapidement possible. Ça fait beaucoup, hein, 32 heures. Il nous faut... Non, pardon. Il nous faut 4 boyaux. 4 pots. 2, 3 et 4. Et du coup, je pense qu'on pourrait en mettre 2. Je crois bien, si je dis pas de bêtises. Enfin, en théorie, parce que là, si j'enlève, on peut le mettre là. Donc du coup, on peut le mettre ici aussi. On est d'accord, on peut mettre 2 fois le même vêtement, on est bien d'accord. Je suis en train de me demander. Je sais qu'une fois j'avais eu la surprise, c'est avec genre les accessoires. On peut pas mettre 2 sacs d'élan. Si voilà, on peut pas mettre 2 sacs d'élan. On peut en mettre qu'un seul. Donc ça c'est un problème. Mais là, vu qu'on peut mettre ouais, 2 fois, je dirais que on est bon. On pourrait essayer de crafter ça.
Avec le couteau, et après on le re-aiguise, etc., etc., etc. On recommence, quoi. Non. Ouais, on va faire ça. Oh, c'est 4 pots de fou de loup, pardon. Oui, on a plein. Genre 5 heures. Maintenant il fait nuit, pas de problème, on va aller dormir. On va aller manger un steak d'eau de loup. On va manger un steak de loup. Ah, très bien. On mange, mais alors comme un porc. Hein. Je veux pas dire, mais on n'arrête pas de manger, boire et tout ça. On dirait que Thanksgiving, quoi. Donc c'était il y a quelques jours. Alors. Juste pour être plein. Je veux pas avoir de faute en fait, de tomber à zéro par erreur et tout ça pendant qu'on craft. Ça m'arrive pas mal de temps des fois. Enfin, pas mal de fois, on va dire. Ok, on se réveille en pleine forme. Réveille en pleine forme, très bien. Au final, j'avais dit que l'épisode serait pas long, mais on va faire 1 heure déjà. Donc du coup, en pleine forme, on va devoir attendre un peu, je crois, pour crafter. C'est embêtant. Il fait pas assez jour. Ah ouais, ça c'est. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah pas grand-chose en fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La pêche, c'est vrai que c'est bête que la pêche on l'ait pas augmentée. J'aurais bien voulu qu'on l'augmente. Parce qu'on en a fait, mais alors très très peu. Cuisine on l'a bien augmenté, allumage de feu on l'a bien augmenté, carcasse aussi. Mais ouais, donc du coup après on partira donc pour la cabane du trappeur. On fera une pause ici comme la dernière fois, comme la dernière saison. Et une fois qu'on sera prêt, donc on passera peut-être une nuit là en fait, le temps de se reposer, le temps en fait de faire le voyage. Et après on ira à la grotte et on ira directement à Milton sans arrêt, sans oui, sans pause quoi. Après, si vraiment on a besoin de faire une pause, ce qu'on fera, c'est on utilisera le sac de couchage. Si jamais on doit se remettre en fait de notre excursion, parce qu'elle risque de se fatiguer. Elle risque de se fatiguer. Ça peut être un problème. Ça peut être très dangereux, surtout si on est sur la corde. Parce que si on est bloqué à un endroit, parce que je sais qu'il y a une sorte de ravin en fait. Faut descendre une corde et après faut en monter une, je crois, si je me rappelle bien. Et ça peut être un problème. Ça peut être un gros problème si on est coincé en bas et on peut pas se remettre d'aplomb. Enfin voilà. Je suis en train de faire le deuxième manteau de loup et il servira à rien parce qu'on peut pas emporter deux. Hein. Je sais pas, hein, on verra. C'est pas grave. C'est pas comme si on perdait
Quoi que ce soit, vu que je perds un peu de temps et... De toute façon, les pots de l'eau, on s'en sert pas. Donc... Je suis en train de... J'ai envie d'allumer un feu. J'ai pas envie d'attendre, honnêtement. C'est chiant. Qu'est-ce qu'on fera après? Ça, on garde. Comme j'ai dit, le charbon, on va s'en servir pour dessiner, au pire. Pansement, on a. On a deux déjà. Le cuir, on a. On a deux fusées au cas où, si vraiment on a des problèmes. Oh non, on est impec, honnêtement. On est impec. On va aller on va descendre, on va aller à l'établi. On va pouvoir te crafter dans pas longtemps, normalement. Dans quelques minutes. Je sais qu'on voit rien, je suis désolé, ça doit être un écran noir, mais... On va pas allumer une torche, voilà. On va pas allumer un truc juste pour ça. Ok, toujours pas. Mais voilà. On va pouvoir avancer. Et on va pouvoir partir loin. Et on fera le tour de Milton. Donc Milton, il y a la ville principale. Il y a toutes les maisons. Il y a la poste, il y a la banque. Il y a la grande maison de la mère. La mère grand. Je crois qu'il y a même il y a l'église aussi. Oui, il y a l'église pas loin. Elle est à l'extérieur de Milton. Mais elle est sur le chemin. Mais il y a l'église. Il y a un cimetière. Après, il y a une autre zone où il y a une grande ferme. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à Milton. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a quoi d'autre? Après, il y a une exploitation forestière aussi, pas loin de Milton. Là, par contre, il y a pas mal de loups, normalement, la plupart du temps, donc... Ça aussi, ça vaudra faire attention. Nous, on va passer par cette exploitation forestière. Il y a un endroit, en fait, et on risque d'arriver là-bas. On verra ça, comment ça se passera. On est presque. Quelques secondes encore. Mais voilà, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Et après, quand on aura donc cette fameuse mise à jour, on fera une nouvelle saison, et puis voilà. Mais ouais. C'est bon là, parce que là je commence un peu à m'énerver. Merci. Ah, très bien. On va encore refaire. 3 heures qu'on mange. Là, on pourrait partir, hein, honnêtement, mais bon. On pourrait partir déjà. Mais comme j'ai dit, j'ai envie de tester le coup du loup. Si on peut emporter deux sur nous, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Ça nous aiderait pour la chaleur, surtout. Après, on va perdre en endurance, hein, mais c'est pas grave. Voilà, bien. Je pense même faire un feu pour qu'on continue à crafter. Il reste combien de temps? 17 heures. Elle n'est pas extrêmement fatiguée. Je sais pas, j'ai envie de continuer moi. C'est un peu long.
Ah, quand on fait des vêtements et tout ça, hein, c'est long. Hein. C'est très très long. Là, il nous reste 15 heures. Il nous reste 15 heures. J'ai bien envie de... Ouais. Là, il y a des lucioles qui attaquent. Il y a des lucioles tueuses. Ah, ok, risque de parasite, c'est bien. On l'a plus. Si on fait... Faudrait passer la nuit quand même. Je sais pas. Le problème, c'est qu'on a rien d'autre à faire là. Ah, ça m'embête ça. Ah, ça m'embête un peu. On va aller manger. Donc, on passe du temps à faire des choses. On va reprendre encore une viande de loup. Il fait pas froid du tout. C'est vrai qu'avec les bottes, ça nous aide. Ça nous aide beaucoup. Ah, très bien. Ok. Il nous faut de l'eau. Je sais pas où je suis. Oups. On va peut-être devoir faire de l'eau. Je suis en train de penser. On va peut-être faire un peu d'eau. Attendez. On va faire de l'eau. C'est vrai qu'on en a pas trop en fait de réserve. Parce qu'on va pas pouvoir en faire pendant un petit moment. Donc ouais. Faire du feu. On va mettre juste un peu plus. Voilà, 3 heures. Très bien. Nous, on va travailler pendant 2 heures encore une fois. C'est embêtant que ça illumine pas assez. Mais après, ils ont fait exprès pour pas qu'on puisse... vraiment jouer genre dans le noir, parce que sinon ça serait un peu triché quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça gâcherait un peu l'immersion de devoir avoir besoin de lumière, etc. Si on pouvait vraiment jouer dans le noir. Après bon, vous pouvez toujours, je sais pas, augmenter les gammas et tout ça, mais ça dénature un peu le jeu, quoi. Mais c'est vrai que ça illumine, mais alors pas du tout. Jeter à combustible. 2 heures, très bien. Maintenant on a trop d'eau. Qu'elle est fatiguée. On devrait avoir le buff dans pas longtemps. Très bien. Là, on va aller dormir. On devrait avoir le buff normalement, je crois.
barely walk with this much gear. Ouais, très bien. Ouais, maintenant tu dors. Parfait. Yes. Donc nous sommes bien nourris. Voilà, très bien. Vous avez réussi à pas mourir de faim pendant 72 heures d'affilée, vous êtes en pleine forme, vous pouvez transporter plus d'équipement, vous êtes également plus à même d'affronter les épreuves physiques qui vous attendent. Par conséquent, votre état est amélioré. Très très bien. Donc nous sommes à 35. Oui, on a bien fait de faire de l'eau. Oui, on a bien fait. On va pas perdre de temps à faire ça. On va devoir manger. On a plus de vie aussi. Ok, il reste 8 heures. Je vais pas avoir assez, quoi. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, ça me... Oula, qu'est-ce que c'est frustrant. C'est genre... Genre ça tourne en rond, quoi. C'est vraiment tourné en rond. En plus, il fait beau, là. On serait vraiment le meilleur moment de partir. On va refaire un feu, hein, si jamais on n'a pas assez de temps. Je crois qu'on n'aura pas assez de temps. Il reste 3 heures. Ouais, on va refaire un feu. On va reprendre de l'accélérant. On va reprendre de l'accélérant pour refaire encore de l'eau. Ça c'est, comme j'ai dit, hein, l'eau c'est jamais perdu. On devrait bientôt ne plus avoir le risque de... Non, attendez, tac. Le risque d'empoisonnement, donc on va pouvoir reprendre encore un petit coup de viande de loup. Voilà, très bien. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais bon, elle est pas fatiguée, donc elle va pas faire la nuit entière, encore une fois. On va attendre que le... on soit plus malade. Ça, que le risque de parasite s'en aille, et après on va manger du loup encore. Ah bah voilà. Bon, ça c'est fait. Ok, il reste plus grand chose. On va aller manger. Ça se passe bien, ça se passe bien. Juste un peu lent là. Là, c'est vrai que j'avoue qu'on fait, toujours la même chose. C'est un peu tourné en rond. Mais au moins, on aura tout fait. Tout ce qu'on veut faire, on l'aura fait. Très
très bien. On va aller récupérer l'eau avant qu'elle soit bouillie. Enfin, évaporée plutôt. Reste encore 2 heures, on va faire encore de l'eau. Et on finit notre deuxième manteau, ça va être le moment de vérité. Si je passe pour un idiot ou pas. Allons passer pour un idiot ou pas. Oh, faut vraiment le réparer, hein, le couteau. Yeah, manteau de loup. Alors par contre, il faudrait... pierre à Élysée. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bien ce que j'avais bien raison. Donc, là, en gros, c'est ce qu'on gagne. Alors, bon, déjà, on perd beaucoup d'endurance. Pas grave, on pourra pas vraiment sprinter, c'est pas vraiment important. Par contre, on gagne en résistance. Ça, c'est contre les attaques. On gagne en étanchéité, encore 30% de plus. On gagne 2 degrés de défense contre le vent. Et en général, 2 degrés en résistance contre le temps. Donc, ouais, ça vaut le coup, hein, je peux pas dire. Mais... Ah oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mesdames, messieurs. Ça vaut le coup. Le couteau en a pris un coup par contre. Par contre, je voulais faire ça là. Je vais préparer ça. Voilà. Bon, tout est en très bon état. On peut pas vraiment faire mieux. Après, c'est vraiment quelques petits pourcentages. Hein. C'est pas super important. Oui, dans 7 minutes, c'est parfait. Et ce qu'on voulait faire, nous, c'est réaiguiser le couteau. Je sais pas si 35% ça va permettre de le remettre à 100%. Je m'étonnerais quand même. On va voir. Il reste 11 minutes. 11 minutes, ça sert à rien. Je sais pas combien de pierres à Élysée on a. Je crois qu'on en avait qu'une seule extra. Je pense. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Enfin bref. Ouais, il fait déjà presque jour. On va le mettre à 100%. Puis si jamais on n'a pas de pierre à aiguiser, enfin une autre plaine, bah, c'est pas grave, on garde celle-là. Mais au moins tous les outils sont en bon état. Voilà, très bien. Tout est en re-bon état. On a 2 fourrures sur nous, on est très résistant au temps. On est à 41 kg, c'est parce qu'il y a trop de. On a trop d'eau, il n'y a pas de problème. Ça on le jette. Ah, attendez, on va faire un récapitulatif. Donc ça on garde, ça on est bon. Le feu, ça on virera le bois si jamais on n'a pas besoin. Les vêtements, c'est bon. On prendra à manger quand on partira. Les outils, on a 2 faitous. Alors honnêtement, je sais pas si on va garder les 2. Il faudrait peut-être virer 1. Je sais pas. De toute façon, on a des faitous ici à la maison. Dans notre base, en gros. Donc c'est pas grave si on doit les jeter.
Parce qu'on a déjà défait tout. On en a déjà 3, je crois, en tout. Donc ces deux-là, même si on doit les jeter, c'est pas grave, c'est pas important. Les outils, on les garde aussi sur nous. Si jamais on doit les jeter, bah, on le fera. T'as la lampe qui pèse lourd. La lampe, on pourra peut-être potentiellement la jeter à un moment ou à un autre. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut. On va dire qu'on peut se séparer de beaucoup de choses sans qu'on soit vraiment dans la merde, quoi. Donc ça va. Ça va. On a. Voilà. On va pouvoir gérer. Maintenant, on va dormir. 7 heures, ça me paraît bien. Voilà, très bien. On va boire. Et je pense qu'on va partir. On va partir maintenant à la cabane du trappeur. Comme j'ai dit, on va peut-être pouvoir prendre des boyaux aussi. Ouais, on a ça là. J'ai envie de faire un fil en plus avant de partir. Bon, juste un. Même deux. Qu'on en ait une dizaine en fait sur nous. Voilà, très bien. Ah, non, le temps se lève. Oh, fait chier. Voilà, 10 fils, 11 hameçons. Voilà, c'est pour ça que je voulais le faire. L'accélérant, on n'a pas besoin. Quoique, oui, si, on va le prendre. On va le prendre pour faire du feu chez le trappeur. Donc ça nous laisse 3. On va prendre un quatrième. On a combien? On a 8 litres et quelques. On a plein de bouteilles ici. Très bien. Voilà. 9 litres d'eau. On est à combien de kilos? 41. Parce qu'il faut prendre aussi à manger. On a peut-être un peu trop d'eau, je dirais, non? Je sais pas. Enfin, on a 40, mais notre base c'est 35, donc c'est pas grave. On peut monter à 45, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser à ça, en fait. Faut penser à ça. Allez, on y va. On va au trappeur. Voilà. On y va. Quoi qu'il fait super froid. On fait chier. Il y a du vent aussi. On aurait dû partir hier, il faisait beau. Mon Dieu. Ah ouais, on a 46 kilos. Parce que là, on veut pas sprinter en fait. Le charbon. Il faudrait être en dessous des 45 et après je crois qu'on peut sprinter. Je pense. Si je dis pas de bêtises. On peut, ouais. This pack is getting too heavy to carry. Hop là. Allez, let's go, on y va. Parce que je voudrais pas trop qu'on ait froid en fait. Let's go.
qu'on se mette à l'abri. Ah, on est lourd, hein. On dirait un tank, hein. Voilà, protégé du vent. On va pouvoir prendre un peu plus notre temps. Là, on est un peu un tank, là. Là, j'avoue que j'ai l'impression de jouer à Escape from Tarkov, quoi. Avec les grosses armures. Escape from Tarkov, quoi. En ce moment, je stream. J'en ai streamé une fois, donc. Ça s'est bien passé. Les gens aiment bien. Et c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, même en stream. On va avoir froid à un moment, mais bon, ça sera pas suffisant pour qu'on soit dans la merde, donc ça va. On est encore heureux qu'on ait créé notre deuxième manteau. Encore heureux. Ah merde. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je lui ai donné comme viande. Ouais, ça va. Et avance. Ah, il va exactement où on va, putain. T'es sérieux? Reste calme. On va pas sprinter dans la descente parce que sinon on risque de se faire mal. Pas envie de tirer mes flèches en fait. Il y a des bonnes choses qu'on le tue, hein, mais j'ai peur que là on le tue pas, que du coup on perde une flèche, etc., etc., etc. Juste là, peut-être pouvoir nous aider. Ah, il nous faut ça. Si on garde là, nos distances, ça devrait bien se passer. Ah mon dieu. Ah oui, non mais ça, les écorces, c'est super rare, hein, donc c'est pour ça que je les prends et que je risque un peu ma vie là. Mais...
Alors, je regarde à quelle distance il est par rapport à nous. Ah, je crois qu'il nous a lâché. Ah, je pense qu'il a, dû flairer le cerf. Que le cerf est parti, mais il a pas dû partir très loin. Donc je crois qu'il est après le cerf. Quasiment sûr. Quasiment sûr, il est après le cerf. On y est presque, on y est presque. Vous avez vu un peu le temps qu'on met quand on est surchargé? C'est pour ça que je voulais me surcharger en fait avant d'aller à la cabane. Et après à la cabane on pourra dormir. On a besoin de rien faire là-bas. On pourrait même faire une tisane et la boire avant de partir. Et ça nous réchauffera. Ah, ça nous donnera un petit buff. Mais bon, le buff il dure tellement pas longtemps que est-ce que c'est vraiment très très utile? Bah, comme vous voulez. La grotte elle est... Ah, je crois qu'on vient de la passer. Mince. Ouais, je crois qu'elle est juste devant là, on vient de la passer. Je pense. Ah, il y a des lapins. On pourrait aller faire les lapins. On va se réchauffer d'abord. Eh ben, c'était vraiment pas le meilleur moment pour partir. C'était vraiment pas le meilleur moment. Mais bon, ça va. Pouh, c'est un peu la galère. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait tout ça. Oui, cool, cool, cool. Ça va. Très bien, on se réchauffe. On se réchauffe maintenant assez vite. J'ai envie de... Bah déjà, balancer tout mon bois. Et les choses lourdes. Voilà. Voilà, on prendra tout ça après. On va chasser les... Oh lol. On va aller chasser les lapins, je crois. Histoire d'avoir des choses à faire. Pour qu'elles se réchauffent à l'intérieur. Et peut-être qu'on va les faire cuire aussi. Parce qu'on a plein de petits bois. Donc je me suis dit, bah tiens, tant qu'on y est. Comme ça, ça nous évite de taper dans les réserves. Non? Vous en pensez quoi? Vous êtes pour? Allez, on va faire la chasse au lapin. J'espère qu'on va pas se louper. J'ai pas envie que ça se construise. Comme ça, on touche pas nos réserves de nourriture, mais bon. Mais bon, voilà, on a des lapins magiciens. Putain. Sans déconner, quoi. On a des lapins magiciens. S'est calmé. Il y a rien qui bouge, hein. On est d'accord.
Oh, le temps, vous avez vu? Sans la tempête, c'est quasiment plus froid du tout. Bon, ben, lapin magicien. On va faire les tisanes, on va les préparer. Ça va nous faire gagner un peu de temps, là, le temps qu'elle se réchauffe et tout ça. Et on va voir si on peut pas les... Ah, c'est ça que je vais faire. On va voir si on peut pas retrouver les lapins. Je voudrais bien manger les lapins plutôt que, encore une fois, taper dans les réserves. Même si on a beaucoup de réserves, quand même. Après, une fois à Milton, il faudra... faudra faire attention. Enfin, faudra se démerder et se bouger le cul un peu pour trouver à manger. Après, on a les massettes encore. Donc, bon, ça passe. On a ça, 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 massette. On a encore 2300 de calories en réserve. Et on a un steak de loup qui va nous permettre de gagner du temps par rapport aux réserves. Ok, on y retourne. Ok, maintenant il fait plus froid du tout, c'est bien. C'est embêtant. Embêtant. Con de lapin. On pourrait vraiment bien se balader là par contre. On risque rien. Quoi. J'aurais pu poser mon eau parce qu'on est en surpoids. J'aurais pu poser la viande et tout aussi. Après, il y a des cerfs pas extrêmement loin, normalement. Donc, je suis en train de me dire, on pourrait peut-être aller chasser un cerf. Mais encore une fois, le cerf, il y a une chance que bah, qu'on le tue pas, qu'on perde une flèche, etc., etc. Vous savez, genre, à chaque fois qu'on fait quelque chose, hein, ça peut, bah, ça peut mal se passer, quoi. C'est un peu ça en fait le risque de faire quelque chose, bah, c'est que quand on contrepartie ça se passe mal, qu'on perde des ressources à la place d'en gagner. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, je pense qu'on va aller dormir. Elle va se réveiller en pleine nuit. Du coup, je crois qu'on n'a pas besoin de... faire un feu. Oh, il y a un loup là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouh, il nous a flairé. Il trottine vers nous. Il nous a flairé. Parce qu'on a trop de choses sur nous. Bon. Bon, bon, bon. Allez, dormons. Dormons le plus possible. On va sûrement se réveiller en pleine journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on utilisera notre lampe. Et on partira pour Milton, du coup. On ira à Milton. Ouais, on va faire ça. C'est bon, on est prêt. Thank you.
On va dormir le plus possible, 10 heures si elle peut. On récupérera tout ça, ce qui est sur le sol. Et on ira à Milton. Voilà, on fera ça. Et on est prêt pour l'aventure. Voilà, voilà. Allez, bonne nuit à tous, 10 heures, c'est parti.